Monsieur Pnat, bonjour, bonsoir à tous. C'est le 8e remis du chèque au Montague 28. Attendez, pour la France est fort. Je vous remercie. Je remercie toute l'équipe de Montague 28. Beaucoup de mal vous donner, vous travail. Avec mon caractère pourri. Ça, tu l'as dit. Si. Et je remercie aussi tous les bénévoles. En plus, il n'est pas là tout ce soir. Et ton équipe aussi. Merci. Il a travaillé. Ça a fait beaucoup quand même. Hein. Oui. L'idée de Montague 28, c'est à Francis, à Nadia, à Marine, à moi. Après, toute l'équipe, l'arrivée après moi, Michon, Monsieur Jacques, Monsieur Costa, toute l'équipe. Je remercie aussi tous les partenaires de Montague 28, on en a pas mal. De la Loupe, de Jean-Rotrou, la Châtel-Bernard et Chartres. Je remercie aussi les conseillers de la mairie de la Loupe, pourquoi le coup de main m'a donné. Et à monsieur le maire, aujourd'hui il n'est pas là, ce soir il est en Allemagne. Et je vous annoncer aussi, il me reste 2 ans comme président quand j'arrête. Oh, pas non pas. Et je laisse la place à des personnes qui les intéressent pour la place de Montague. Et attendez, recombattu 558 motos pour le jeune homme. Et une somme très belle, 4000 euros. Wow. Alors, au nom de l'association de Mati Léo, merci, mille merci, 10 000 merci de la journée déjà que vous avez fait passer aux enfants parce qu'ils ont été ultra contents. C'est une journée qui reste quand même, ils nous en parlent souvent, ils ont pu faire de la moto, ils ont rencontré des belles personnes, donc merci pour tout ça, monsieur le président de Motocœur. Et du coup, oui, ils veulent revenir tous les ans. Ils vont peut-être même demander à passer leur permis moto. Donc voilà, super. Voilà, Timothée nous a dit dans la voiture qu'il était pressé d'avoir ses 18 ans. On ne sait toujours pas pourquoi, mais peut-être que. C'est pas à nous pour s'adresser. Et puis, surtout un énorme merci pour l'immense somme que cette action nous a permis de récolter. Mm-hmm.